S'en va d'un côté et le blé vient de l'autre, donc on va récupérer le blé dans les sacs à l'arrière. Et la paille s'en va du côté de la presse. Son but, comme son nom l'indique, c'est de presser, faire des bottes de paille. Quand la paille avance, on file une aiguille, on met un fil de fer, le gars il vous renvoie le fil de fer à la prochaine aiguille, on l'attache à la main et c'est terminé. Et vous avez un autre. On va regarder si ça démarre. C'est du gros taf là.
Ah oui. Ça te plaît? Ah, mais quand même. Tu préfères ça ou les vieilles machines modernes? Ah, j'aime les deux. T'aimes les deux? La semaine, les machines modernes. Et le week-end, les vieilles machines. Tu fais partie de l'association? Oui. Ah, d'accord, ok. Et donc, t'espères que cette association, ça va perdurer pour rester? Ah bah oui, il faut. Il faut que ça reste. Il faut que les gens puissent voir encore longtemps les anciennes machines. Il faut que tout le monde voit ça. Bon, alors t'es prêt à les accueillir? Qu'ils viennent, je les attends. Merci. C'est pas le top, on cherche un petit peu, on hésite. Mais à force de faire, et bon, vous savez, comme on dit, quand on s'est fait couillonner une fois, c'est pas couillonner deux fois. Hein. Et c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Et puis aujourd'hui, ben, vraiment, notre petite équipe, là, on est dans l'association, on est près de 80 personnes. Ben, j'ai dit attention quand même, pas oublier que nous sommes des clubs de loisirs. Des fois, il y a un petit peu l'engouement qui prendrait le pas un petit peu. Dis, attention, top. N'oubliez pas que c'est des loisirs avant tout. Alors, c'est vrai que c'est un peu difficile, mais c'est quand même pas oublié, c'est comme ça. Pensez de ces vieilles machines, est-ce que... Elle est extra, hein. il y a quelques années en arrière, hein. C'est super, c'est bien pour la génération suivante. Ouais, vous pensez vraiment qu'il faut le montrer? Oui, parce que sinon ça se perd. Mais c'est vrai que moi j'ai connu des vieilles machines comme ça à l'époque de mon grand-père. Il faut surtout garder les gestes. C'est notre vie de jeunesse, notre vie des ans, des années 60, même avant. Vous avez connu ça? On a connu ça. J'ai fait. Vous avez fait? Oui. Je crois que c'est dépensé. C'est dépensé, oui. Bien, le travail des femmes, c'était de préparer le repas, de préparer la buvette et surtout de leur fournir bien à boire pour qu'ils puissent bien travailler. C'était des journées très dures, ça commençait à 6h le matin, il y avait la buvette vers 10h, après il y avait le repas du midi et après il y avait la collation vers 16h. Donc les femmes étaient destinées à faire tout ce travail. Mais il y avait le repas du soir. Et il y avait le repas du soir et c'était la fête. Quelquefois il y avait l'accordéon, on chantait et tout le monde était bien gai. Moi j'étais gosse quand j'avais presque 14 ans quand on avait la batterie. Hein. Elle a eu chaud aussi, là, le plaisir. Elle a eu chaud aussi, ça.
coup, elle va sauter, on va dire encore. Mais non. Si. Quand tu vas partir, elle va partir comme ça. Non, dans l'autre sens. Ah ben sûrement que si, elle va. Non, elle va vers l'arrière. La machine va vers l'arrière, là. Oui. La poulie va. Là, on tourne à l'envers. Non, on tourne à l'endroit. Ah ben allez, quand on a l'endroit, voilà. C'est pour ça que c'est l'intérêt. Ah, ça y est. C'est la paille qui gêne, là. Encore. Faut presser, là. Encore. Ah non, mais ils ont la moelle, les gars. Ouais. Ah, c'est un peu. Allez, encore un. Un peu. Ça va se passer. Voilà, top. Arrête, là. La paille est revenue. Allez. Desserre-moi le canal, un peu de ça. Ouais. Voilà. Bon, on va y aller, là. Merci pour tout, bonne continuation et une prochaine fois sur de nouvelles fêtes.